Salut! Je voulais juste dire que, ben bonjour, j'espère que vous allez bien. Il fait beau soleil, il vente, les feuilles sont colorées, ça tombe tranquillement, autant en emporte le vent. Puis, ben c'est ça, j'ai vu une publication de Francine Durocher sur Facebook qui incitait à aller porter des manteaux pour l'événement des sans-abri. Puis ça m'a donné envie de faire ça. Puis je me suis dit, ah, c'est à Québec, c'est compliqué. Puis là, j'ai réalisé, non, c'est pas compliqué. Je suis descendue dans mon locker, fouillée dans mes manteaux. J'avais des manteaux accumulés, tu sais. Je n'ai besoin juste un par hiver. Fait que j'ai pris deux, trois manteaux. Puis je suis allée au centre-ville hier soir. Puis j'ai réalisé que c'était pas plus compliqué que ça. Je suis allée là où ce qu'on sait qu'il y a du monde qui traîne. Puis j'ai ouvert la fenêtre, puis j'ai demandé bonjour si ça va, puis j'ai demandé où est-ce que je pourrais laisser les manteaux. C'est eux qui savent le mieux qui va aller ramasser ça où. Puis là, ils m'ont dit, oh, tu peux les mettre sur le banc, là, puis ceux qui ont besoin, ils passent, puis ils en prennent. J'ai dit, parfait, j'ai dit, est-ce que je peux vous les donner? Puis j'ai donné, puis c'est pas plus compliqué que ça. Fait que j'ai réalisé que des fois, on n'a pas besoin d'une grosse organisation. Pas obligé d'attendre là, que quelque chose s'organise, c'est grâce à Francine qui m'a inspirée. Puis aussi, je suis dans une mouvance de clairer le trop-plein, tu sais. Ça fait du bien, clairer le trop-plein. Ça, c'est des dessins par ma fille, Maïka. Ma fille adoptive, que j'aime beaucoup. Je suis très fière de ses dessins, même si ça fait longtemps qu'elle les a faits. Elle est très bonne en dessin, puis elle les regarderait, puis elle dirait, je fais beaucoup mieux que ça maintenant, mais tu sais, quand on est parents, c'est pas ça qui. C'est ça. Fait que voilà, c'était juste une idée que je lançais. S'il y en a qui ont des bas de laine, des chapeaux, des foulards, des chandails, un chandail, c'est comme de l'ail, ça nous réchauffe. Un champ qui nous réchauffe, ça nous fait un champ réchauffant. Puis la qualité des tissus, des textiles qu'on met sur notre corps va déterminer l'amplitude du champ. Soit rafraîchissant ou réchauffant ou qui bloque aussi ou qui perturbe notre propre champ électromagnétique. La meilleure qui se souvient bien de cette information-là, c'est Sarah sur Facebook, Sarah BC. Elle avait l'information précise là, sur quelles combinaisons sont bonnes, qu'est-ce que c'est pas bon. Hein, comme l'idéal, c'est de la laine, du coton, du lin, mais il faut pas mélanger laine et lin. Puis, ben on le sait, là, quand on. Puis, les laines, il y en a de toutes sortes. Mais c'est sûr que les textiles artificiels, ben là, c'est un autre game. C'est pas, ça nous apporte pas électromagnétiquement les meilleurs effets, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est à explorer comme sujet. Fait qu'allez vous renseigner si ça vous intéresse. Puis, des fois, c'est la. Pardon. Des fois, c'est la qualité versus la quantité de vêtements qui fait la différence de comment on se sent bien. Puis moi, j'aime bien gros le coton, puis j'aime bien gros la laine. Puis il y a des laines qui piquent pas, pas du tout, comme exemple le cachemire. Puis ça se trouve à l'usager, fait que c'est le fun. Il y en a pour tous les budgets, autrement dit. Puis faut pas jeter notre vieux linge, il faut le donner. Salut!